elle est belle. Toute bleue et tout. Des poignées, tête de mort, une batterie et phare Wiped. Des hopes, des disques 3 mm, super costauds. Ah oui, gâchette 300X. Et après, il y aura des surprises. Bon, on n'était pas parti pour faire une vidéo sur cette trottinette. Nouvelle vidéo, les gars, aujourd'hui, sur la toute dernière Spider 2. On l'a reçue, là, chez Fast Ride. On va vous faire un unboxing. On va vous la désosser avec Yann. Je pense que ça va être assez rapide. On va la faire côté atelier, parce que vous savez maintenant... Fast Ride vend des motos électriques, des super Soco. Donc voilà, il y a une moto électrique qui est là, il y a le client qui a est déjà vendu. Il y a le scooter là, super Soco, je crois que c'est un PCX. On va faire le unboxing bientôt. Donc là, on n'a plus de place. On a mangé, mais en 2-2. J'ai même pas pris de dessert, donc je risque d'être un petit peu grognon toute la journée, les gars. Si j'ai pas ma dose de sucre, ça va pas le faire. Ah, tu peux la descendre, hein, je l'avais mis juste là pour... Alors, on retrouve un fameux chargeur, donc c'est une Spider, donc c'est en 60 volts. Déjà un chargeur 60 volts, 1,75. Un garde-boue à positionner, comme d'hab. Rien qui change. Waouh! Oh, déjà, franchement, wow. Elle déchire. Oh, ils ont fait comme la Storm en fait. Oh là là! Ah, oh, par contre, on va voir. Je trouve ça un petit peu bizarre, pas vous les gars? C'est curieux. Voilà, c'est curieux. Yann, il a le terme. Quand il aime pas, il dit pas que c'est moche. Il dit c'est curieux. Je vous explique pourquoi, les gars. Parce que bah là, il y a le deck, là. Et puis là, ça fait un truc bizarre, là. Il y a un espace, là. Il y a ça qui gêne pour voir le spider derrière. C'est pour gagner du poids. Ouais, c'est pour... Ah, ça sert de top block. Il a trouvé la solution. C'est bizarre. Comme dit Yann, c'est... C'est bizarre. Ah, les bras sont sympas, t'as vu? Un super effort, là. Est-ce que ça protège? Ah oui, t'as vu? Et là, c'est propre. C'est pas une plaque qui mettait sur les anciennes, qui était là, qui... Il y a le pied contrôleur, là. T'as vu? Il y a les ailettes de refroidissement. Ouais. Et il est bien, tu vois, tout en métal, il est bien fini. Non, mais bientôt, je pense qu'ils vont nous mettre un gros radiateur, là. Il y aura les premiers contrôleurs qui vont cramer, et puis ils vont mettre un radiateur, là. Bah, là, il y a déjà des petites ailettes. Bon, on va la monter, et puis après, on va vous faire le tour complet. Donc, du coup, tu peux la descendre, parce qu'il y a le guidon à mettre. C'est ça, c'est le guidon en carbone, comme la Spider 1. Avec des poignées en mousse comme la Spider 1. Bon, on retrouve les leviers avec une petite sonnette. Un Komodo Eco Turbo et Warning. Il n'y a pas de single dual, donc elle sera tout le temps en dual. C'est un petit peu dommage, mais je crois que c'est comme ça sur toutes les Spider maintenant. Parce qu'elles ont des petites... Les moteurs sont assez fragiles pour le gain de poids. Donc, il vaut mieux rester tout le temps avec deux moteurs pour éviter qu'il y ait des moteurs qui crament. Voilà. Donc, un joli petit LCD. Je regarde juste les paramètres, s'il y a des choses de différents ou pas. Donc P210, nombre de pôles de moteur, c'est normal pour une Spider. C'est pas les mêmes moteurs. Donc après, quand on descend, bon bah, on retrouve donc la colonne LED. On a le même système de folding. Non, tu me dis que si je me trompe. Donc ça, c'est le même système de folding qu'il y a sur les Victor, sur les Thunder 2, etc. Donc je vous invite très fortement à mettre la back Fast Ride. Je vous mettrai le lien dans la description parce que celle-ci, il y a quand même du jeu à la longue. Et ce qui est très très étonnant, donc bah bien sûr on retrouve les fameuses gaines téléphone qui bousillent les câbles, mais ça c'est pas grave, à vous de les changer. Ce qui est très étonnant, c'est qu'on retrouve un interrupteur qui gère l'éclairage des feux avant et feux arrière. Ouais, et les bandeaux LED. Donc on les retrouve sur la banane. Avant, ils étaient sur les côtés, sur les flancs de la trottinette. Là, ils ont mis un interrupteur ici. Donc c'est pas juste un trou qui a été percé, on voit que c'est une toute nouvelle pièce, hein, ce qu'on voit qu'il y a une petite boursouflure. Donc ça a été vraiment créé dessus. On retrouve les deux ports de charge qui restent en GX16, qu'ils ont mis aussi dans la banane. Donc voilà, à voir. À voir avec le temps, on en parlera en fin de vidéo de ce que j'en pense d'avoir mis ça ici. On retrouve un magnifique bras Spider qui est tout en relief. Vous allez pouvoir mettre vos lunettes ici. Non, je déconne. Mais voilà, il est tout en relief, il est vraiment sympa, vraiment joli. Il fait très très robuste, même les bras là, ils font plus robustes que les précédents. Sinon, niveau pneus, on retrouve bah, des pneus de 10 par 2,25. Donc il y a assez de place, hein. Vous allez pouvoir mettre des 10 par 2,5. Je vous déconseille très 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 fortement sur Spider de mettre des 10 par 3 ou des pneus off-road. Ça bousille les moteurs. Si c'est les mêmes moteurs que les anciennes générations, j'ai bien peur que ça fasse pareil, ça bousille les moteurs. Et j'ai bien l'impression. Bon, ils ont l'air un petit peu différents quand même.
De l'autre côté, on retrouve des étriers qui sont d'entrée de gamme. Donc ça, ça doit être des disques 140. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? À l'arrière, donc pareil, disque 140, étrier jack. Une grande béquille. Alors la béquille, pour info, j'ai l'impression que c'est même quasiment sûr, c'est les béquilles de Thunder. Ouais. C'est les mêmes béquilles qu'il y a sur Dualtron Thunder. Un petit crochet qui est sympa, qui est vraiment bien incrusté. C'est pas une petite pièce qu'on vient rajouter là. Les feux à l'arrière, donc il y a du, ça fait pas clignotant. Non, hein. Non, mais ça fait warning. Tiens, tu peux allumer, donc ça fait juste warning. Et arrête, et feu stop. C'est ça. Donc il n'y a que des feux. Ici, il n'y en a pas en bas. Hein. Le grip, donc il est très très bien. Il intègre totalement le deck. Avant, il y avait des bandes. Là, maintenant, c'est vraiment bien tout le deck. J'aurais quand même préféré qu'ils mettent un grip en caoutchouc. Quand tu commences à connaître les grips en caoutchouc, la simplicité pour nettoyer un coup d'éponge et c'est reparti. C'est un petit peu dommage qu'il n'y ait pas mis de grip en caoutchouc, mais je pense qu'elle aurait pris un peu de poids. Cette Spider, l'avantage de cette Spider, ça reste quand même son poids. Je vous rappelle pour cette Spider, attention, utilisateur maximum 80 kg. On ne doit pas faire plus de 80 kg pour monter sur une Spider, pour rouler en Spider. Yann a regardé, on ne peut pas régler l'inclinaison des bras. Ou alors il faut retourner comme dans ma vidéo avec la Raptor. Mais à ce moment-là, on peut faire que l'arrière, mais on ne peut pas faire l'avant. Je vous mettrai le lien là, en haut à droite, de la vidéo que j'avais faite sur la Raptor. C'est à peu près le même principe sur cette Dualtron Spider et sur les Spider pour pouvoir rabaisser l'arrière. C'est incompréhensible. Je ne comprends pas pourquoi il y a ce vide là. Je ne comprends pas. En même temps, le deck est beaucoup plus large grâce à ça. Voilà, ça élargit. Ça élargit le deck, quoi. Attends, oui, on n'a même pas mesuré. 250, 25 cm. Et en longueur. Châssis, en longueur. En longueur, avant le cale-pied, donc on est à 52. Et le cale-pied, moi je prends la moitié, c'est là où vous mettez votre pied, on est à 61 à peu près. Donc elle existe en différentes batteries, si j'ai bien compris, cette Dualtron Spider. Et là, celle-ci, on a une batterie 60 volts, 24 ampères. Donc, je vous mettrai le prix ici. Donc, il y a tout sur le site Fast Ride. Alors, je ne sais pas si vous pouvez vous rendre compte. C'est bizarre, ça. Ça dépasse, quoi. Pourquoi ils n'ont pas poussé ça plus loin? Je ne comprends pas, ça. Le deck, il est comme ça, en fait. Mais en fait, si, ça fait toi. Tu es d'accord avec moi? En fait, tiens, ça fait toi de maison, en fait. Ça protège la batterie. Ouais, parce que là, les entrées d'eau, là, tu as tout le deck, les entrées. Ça protège un petit peu, ça risque, ça va limiter, ça protège mieux. Alors, mis à part la batterie, donc on retrouve un convertisseur. Si tu peux voir l'ampérage du convertisseur, c'est un 3, 5 ? 5. C'est un 5 ampères. Alors, pourquoi je demande à Yann l'ampérage des convertisseurs ? Parce qu'il y a de plus en plus de LED sur toute votre trottinette. Et avec les petits convertisseurs 3 ampères, ce n'était pas suffisant. Parce qu'il faut alimenter toutes ces LED. Donc là, ils nous ont mis un convertisseur 5 ampères, c'est très très bien. Ah, les fils de bride, le gros bordel, qui nous ont fait encore Minimotor, ça nous supprimait les câbles de bride. Bah, vas-y, sors les câbles, sors. Bon, bah, malheureusement, il n'y a pas de câble de bride. Donc, je pense que ça va être encore au niveau du LCD. Elle a été débridée ou pas? Attention, vos doigts, je vais accélérer. Elle est bridée. Donc, on va regarder. Là, on est en train de regarder si la bride est bien au niveau du LCD. Et je pense que oui, hein, y a pas de souci là-dessus. Uniquement sur terrain privé, les gars. On débride uniquement quand on veut rouler sur circuit, sur tous les événements. Il me semble que le prochain événement va être en avril, mai. Tu te souviens de la date? Ils vont me tuer, les gars. Ah bah avec les trucs qui ont été décalés et tout. Ouais. Bon, en avril, mai, il va y avoir les premières journées sur circuit. En août, les Electric Games à Barcelone, en Espagne. Espagne. On ne sait pas où encore, je crois. Bah, on n'est pas sûr encore de là. On n'est pas sûr, mais ça va être en Espagne. Ça va être génial. Comme je l'ai dit, je prends 10 jours. L'année dernière, j'avais kiffé. On était partis 3-4 jours. Mais là, c'est sûr, on y va tous. On prend le camion et on y va tous. Alors, est-ce que ça roule plus vite maintenant? J'allais freiner. Pas de doigts? Ah, ça va mieux déjà. On referme le deck, on va la peser. Par contre, t'as vu rigolo le petit trou là? C'est bien fait, mais faut vraiment avoir des petits doigts. Mais des tout petits, parce que là, tu passes pas. Mes doigts, je sais même pas à quoi ça sert. Ah, t'attrapes juste un peu comme ça. Ah si, pour attacher un mousqueton, pour tracter quelqu'un en panne, je pense. Nickel. Spider, tout le monde attend une Spider pour son poids. Hein, son poids, la seule trottinette légère et puissante avec deux moteurs. Alors attends, je vais me peser. 100 kg.
Allez, tiens, je te laisse mesurer. Me passer oui. la. Alors, je faisais 100 kilos. Allez, vas-y, viens mesurer. Alors, combien? Fais un bon zoom, approche-toi bien. 125. 125. 8. 125, 8. Donc, elle fait 25, 26 kilos. Ce qui est très, très bien, en fait. La Spider 1, elle est pas mal de soucis. Sur le papier, c'est parfait. Mmh. T'as la puissance, t'as quelque chose de léger, c'est parfait, mais bon, malheureusement. Il y a eu de la casse. Voilà, il y a eu de la casse, on le disait tout à l'heure, châssis, etc. Mais là, sur la 2, franchement, si elle tient, ça on le verra du coup, on va faire des tests. Hein. De toute façon, on va faire des trottoirs, des donuts à fond, des choses comme ça. Mais si tout le châssis tient, c'est vraiment super. 25 kilos. Ouais, c'est ça, c'est bien. Bimoteur, 25 kilos. Tu la portes comme ça. Ah oui. Oh, c'est beau ça, dis donc. 21,700. Donc, c'est ça fait l'ensemble, en fait. Toute cette partie-là, c'est un seul et même bloc qui va jusque-là. Donc, c'est des cellules, oui, 21,700, effectivement. Et donc là, c'est, je sais pas si c'est les mêmes flancs que sur une... Non, c'est pas les mêmes, parce qu'il y a écrit Spider. L'ensemble. Ah. Donc il n'y a pas de renfort. Hein. Il n'y a pas de renfort. Ouah, les hologrammes. Eh, va éteindre la lumière. Vas-y, va éteindre. Non, mais là-bas, là. Parce que les projecteurs, là. Ouah. Ah. Comme ça, vous laisserez une trace indélébile sur le bitume. Le bitume se souviendra de vous. Ouah, la classe. T'es un Transpider. Juste regarder si le crochet, ça tombe pile poil. C'est vrai que je suis désolé, mon Yann, parce que tu t'es fait chier à cirer ces fixations-là. Vivement qu'on mette la bague fast ride. Et est-ce que ça se met bien? Franchement, ah, ça se met super bien. Ça se met super bien. Triceps. Je vais vous parler un petit peu des prix et des caractéristiques de la batterie. Donc il y aura deux Spider 2. Il y aura une 60 volts 24 ampères à 2490 et une Spider 60 volts 30 ampères. 30 ampères à 2890. C'est génial d'avoir une Spider 30 ampères à 2890 €. Mais je pense que le poids va être vraiment supérieur. Là, on en a pour 24-25 kg. Je pense qu'on va pouvoir rajouter 2, peut-être 3 kg. On va être pas loin des 27-28 kilos. Elle va se rapprocher très très fortement d'une poids d'une Dualtron Victor. Donc voilà, elle va concurrencer peut-être un petit peu la Dualtron Victor, je pense. Donc ce qui est très très bien, c'est les cellules, hein, 21,700. Le prix, il est quand même assez élevé, hein, 60 volts 30 ampères à 2890. Pour 100 € de plus ou pour un prix équivalent avec les remises, vous pouvez avoir une Bluetran 72 volts 35 ampères. Là, on est en 60 volts 30. Vous avez une Bluetran 72 volts 35. Plus gros ampérage, plus gros voltage. Donc, plus d'autonomie et de meilleure performance. Bon, après, ce n'est pas le même poids, etc. Effectivement. Et très important, avant d'oublier, hein, je vous rappelle, parce que j'oublie très, très régulièrement de vous le dire, je vous rappelle que toutes ces trottinettes unboxing, désossage et ces routiers, vous pouvez les avoir à moins 8, moins 10, moins 12%. Plus que les moins 5% habituels, parce que j'aurais fait quelques petits essais. Yann aura mis quelques petits coups de perceuse. Donc voilà, n'hésitez pas à appeler directement en boutique ou envoyer un petit mail ou un messenger sur la page FastRide. Vous dites, est-ce que la Spider de unboxing de Jeff Ride est encore disponible? Est-ce que je peux avoir une promo supplémentaire? Et vous inquiétez pas, ils vous feront un beau geste sur ce modèle. Ça freine pas. Oh merde, ça freine pas. Oh, elle est rigolote, hein. La vieille et la nouvelle. Regardez, on va les mettre à côté. Et la vieille et la nouvelle. Il n'y a pas les bras, les trous dans les bras, il n'y a plus. Donc le bouton qui était là, maintenant il est là. On a toujours les mêmes... Ah non, on est passé sur des étriers de Jack alors qu'avant c'était des réputes.
L'ouverture des câbles, là il est centré sur la banane, et avant il était sur le côté. Ah oui, effectivement. Ouais. Alors ça cassait sûrement pourquoi, comme dit Yann, je me répète parce qu'il y a beaucoup de voitures, les câbles étaient plus déportés sur le côté là. Tandis que là, c'est bien centré au milieu. Alors en espérant que ça va changer quelque chose, parce qu'effectivement, ça cassait plus là. Là. Encore une trotte que je peux pas essayer parce que je fais 100 kg et c'est max 80 kg. Hein. Donc interdit pour moi de l'essayer cette Spider. Ah bon ? Si vous voulez avoir votre remise et tout... Si vous voulez au moins qu'elle continue à rouler. Bon bah voilà pour cette Spider. Spider 2. Qui est là vraiment Spider-Man. Qu'est-ce que je peux vous en dire? Bah, y a pas mal d'améliorations. Le deck un petit peu plus large. Les bras qui ont l'air un petit peu plus costauds. Le calpier, si tu peux le remontrer, le calpier, il est très 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 beau. Quand on monte dessus, bah voilà, franchement, je vais être honnête avec vous. Moi, la Spider... Première génération, le deck était un petit peu trop petit. Moi qui étais grand, je ne me sentais pas à l'aise. Là, avoir un deck un petit peu plus large, l'inclinaison du calpier, elle est parfaite. Je suis très, très bien dessus. Moi étant grand, je suis très, très bien. Avoir la solidité au niveau de la banane, parce qu'avoir fait plein de trous comme ça dans la banane, j'espère qu'ils l'ont renforcé. Il y a quelques améliorations. Voilà, le swing arm qui, est très, qui a l'air très costaud. J'aime bien aussi les finitions qui ne sont pas grand-chose, mais ici... Ça fait beaucoup plus soigné. Puis il y a niveau autonomie, donc je ne vais pas vous parler d'autonomie parce que vous savez, hein, ça dépend comment vous roulez, s'il y a beaucoup de côtes, s'il fait froid, mais vous allez pouvoir faire maximum, enfin minimum, un bon, je pense, 25-30 km si vous roulez comme un sagouin, voire un peu plus, et si vous roulez tranquille. Donc voilà, une bonne petite trottinette. Dommage, ces freins encore assez cheap parce que quand on connaît les prix des freins hydrauliques Zoom, ou autre, il n'y a vraiment pas beaucoup de différence. Ça serait bien qu'ils nous mettent du frein hydraulique sur toutes ces trottinettes maintenant qu'ils dépassent les 50, 60 facilement sur terrain privé ou sur circuit. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle n'a pas été trop longue, cette petite vidéo comme ça à chaud, assez rapide sur cette nouvelle Spider 2. Je ne pense pas qu'on puisse mettre des PMT par 3. Pourquoi ? À cause des moteurs. Les moteurs risquent de prendre cher et de vite cramer. On n'oublie pas hein, le code JeffRide pour avoir moins 5% sur tout le site FastRide. De commenter si vous avez la moindre question. Le pouce bleu, ça fait toujours plaisir. On s'abonne pour ne pas rater toutes les trottinettes électriques que je vous offre très, très, très régulièrement. Il y en a presque toutes les semaines. Et je vous dis ciao, ciao.